Et donc c'est tout le monde, c'est Farway, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je l'ai lancée avec des petits abonnés. Et aujourd'hui on va, je vais vous annoncer un concours, ok, donc on va lancer direct. Ça c'est la map où il y aura le concours dessus, donc en gros c'est une map Avengers. Et ça change d'habitude, donc là il y aura 10€ à la clé à gagner. Le principe c'est simple, donc 16 places, enfin du coup 15 pardon, 15 places. Et votre objectif c'est tout simplement de choisir une classe et de tuer les autres super-héros. Donc faire le plus de kills, mais avec un gameplay qui est complètement différent de celui d'habitude. Ok, donc là on teste en petit comité, on va lancer le jeu immédiatement. Voilà, donc c'est comme ça que se présente la map, après vous pourrez la découvrir vous-même. Le code de la map est en description et on va pouvoir procéder à la découverte. Donc je connais les classes pas mal, il y en a une que j'aime bien, donc du coup c'est l'œil de faucon, elle est plutôt pas mal. Vous choisissez, il y a des classes qui sont cachées, enfin il y a une classe qui est cachée, celle de Thanos. Donc c'est à vous de la trouver, elle est pas très compliquée à trouver, hein, vous inquiétez pas. Donc en gros, tu choisis ton héros, tu regardes les descriptions, donc par exemple on a Spider-Man, il a un grappin. Et en fonction de ça, vous aurez plus ou moins de vie. Donc par exemple là j'ai pris œil de faucon, c'est faucon va très vite, trop vite, il est armé d'un arc et d'une capacité de puissance maximale, sa force à l'arc est inégalable. Donc du coup en fait là il y a un petit décompte qui se fait et on va être téléporté et maintenant le principe c'est va être pendant 7 minutes d'essayer de faire un maximum de kills. Ok c'est parti, donc on a été TP et comme vous pouvez le voir je suis tout violet, ça c'est juste que j'ai eu un effet spécial. Donc là si je mets des balles vous voyez que je mets du 54 donc c'est assez violent. Voilà, là je lui mets du sang et tout, enfin c'est vraiment très violent. Hop, on va lui mettre un petit coup d'arc. Ah oula, lui il vole, comment il s'appelle, Iron Man. Donc on va essayer de défoncer. Ok parfait, on l'a eu, on a récupéré du shield et de la vie. Donc vous voyez que c'est un petit peu spécial hein, comme système. Donc là il y a Spider-Man par exemple. Hop, j'essaie de le tuer mais j'arrive pas. Et là on a qui, je sais pas ce qu'il a pris comme classe. On va essayer de le faire tomber, voir. Donc chaque héros a une spécificité. Le truc qui est bien c'est que du coup on voit tous les pseudos. Donc on sait absolument où sont les gens. Là on va essayer de le défoncer là, ah, ah, parfait, on l'a eu. Ok donc maintenant à l'autre. Oh non, alors là il nous met une faille donc faut pas qu'on se la prenne, normalement ça devrait le faire. Alors vous pouvez pas changer de classe en cours de partie, donc c'est pour ça qu'il faudra bien choisir le jour J, la classe que vous voulez. Et il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de deuxième chance, donc là faut vraiment attaquer quoi. Voilà, par contre il nous a balancé un truc, ça va être assez violent, on va se cacher là-dessous. Ok parfait, on l'a tué Cryptor, donc c'est lui qui avait balancé l'attaque là. Oh là, ça prend dans le dos par contre. Donc là vous voyez, l'objectif ça va être vraiment faire le plus de kills possible. Hop, on nous balance un truc là j'ai l'impression. Ok, je sais pas comment on a été propulsé dans les airs, mais en tout cas, j'ai été... Ah oui, c'est parce qu'il y a un truc d'air. Ok parfait, on l'a eu. Lui il fait que de balancer ses trucs. Hop, on l'a eu. Donc vous voyez la dynamique est complètement différente, hein. C'est vraiment une dynamique un peu spéciale. Hop voilà, là je l'ai eu. Donc il y en a qui ont déconstruit, il y en a qui en ont pas. Par exemple Iron Man n'a pas de construction. Et au bout d'un certain temps, voilà, du coup ça va être de faire le plus de kills. Vous voyez je prends même pas de dégâts de chute. Enfin vraiment ce héros est cheaté, œil de faucon il est vraiment bien. Après vous avez pas toujours les bonus hein. Par exemple là j'ai eu un bonus mais si je réapparais j'aurais pas forcément le bonus. Je vais me prendre une balle de snipe là. On va essayer de l'avoir avec ça parce que ça c'est ultra cheat. Ok, bien joué à lui, il nous a tué, du coup on va voir si on réapparaît à un endroit où il y a un bonus. Le maximum de bonus qu'on puisse avoir c'est plus 75% de dégâts supplémentaires. Voilà, donc là je crois qu'on avait ça, on avait 75% supplémentaires parce que c'était vraiment violent. Là par exemple vous voyez qu'on a aucun effet, donc ça veut dire qu'on n'a pas eu le bonus. Alors lui il est parti vraiment haut dans les airs. Hop, donc il y a toujours la possibilité de se replacer, hein. Vous voyez là il y a des tremplins, il y a des trucs, des machins. Hop, oh là 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 on est encore à corps là. Ça se passe vraiment difficilement pour lui, je pense. Hop, on va essayer de l'enfermer. Oh non, ça passe pas. Oh oui, si, c'est passé. On lui a mis un coup. Là, on a Iron Man sur nous, donc ça va être galère. Il faut qu'on récupère le kill. Non, il nous a eu. Oh là là, dis donc, c'est rapide comme dynamique. Vous voyez que vraiment, c'est vraiment ouf. Et là, si on est 15 là-dedans, vous imaginez bien que ça va exploser dans tous les sens. Chaque classe est cheat ou ne l'est pas. Voilà, donc vous verrez vous-même. C'est tout en description, on fera un live mercredi du coup pour voir comment ça se passe, si vous appréciez tout ça. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter. Salut tout le monde, c'était Farway, bye. Le Discord est bien sûr en description, hein, je le rappelle.